Bonjour, nous recevons aujourd'hui Monsieur Lutz. Monsieur Lutz, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes CDO du groupe Total. Alors, bon, le groupe Total, tout le monde connaît. Total Energy, d'ailleurs. Voilà, Total Energy. Tout le monde connaît le nom. Hein, vous êtes quand même en tête du CAC 40. En gros, très rapidement, les principales divisions du groupe. Bah, les divisions du groupe, en fait, il y a plusieurs branches opérationnelles. Il y a les branches que tout le monde connaît, historique, exploration, production, raffinage, chimie, le marketing service. Les branches aussi très en essor actuellement, gaz, renouvelables, électricité, trading, shipping. Et puis une nouvelle branche qui a été créée, qui s'appelle OneTech, pour réunir toute l'ingénierie de la compagnie. Alors, justement, puisqu'on parle d'ingénierie dans la compagnie, ça comprend notamment tout ce qui est data. Donc, la data, historiquement, chez Total, c'était alors, des choses très marketing pour les stations-service, bien évidemment, mais aussi l'exploration-production. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres patrimoines de données ? Oui, bah effectivement. Alors, comme vous l'avez très bien dit, historiquement, Total Energy est une boîte, une entreprise complètement basée sur la data. L'exploration pétrolière, effectivement, le client, l'exploitation des usines utilise depuis les années 80 énormément de données. Puis c'est quelque chose qui se diffuse de plus en plus. Donc maintenant, tous les métiers de la compagnie sont concernés par la data. Et puis les nouvelles technologies qu'on peut utiliser, le cloud, la data science, l'intelligence artificielle, permet d'aller encore plus loin dans les usages de la donnée. Donc vraiment, la data, elle est vraiment partout. Et puis de façon générale, l'énergie aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs d'aujourd'hui. Et l'énergie, c'est de la data. Pour faire de la bonne énergie, propre, durable, il faut de la data. Et c'est vraiment un levier essentiel de la transformation énergétique. C'est-à-dire que concrètement, est-ce que vous allez chercher à optimiser la distribution de la bonne énergie au bon endroit ? Concrètement, en fait, Total Energy a deux axes majeurs aujourd'hui dans sa dynamique de transformation et de transition énergétique. C'est limiter les émissions de CO2, de la production et de la distribution d'énergie. Donc pour toute énergie, les hydrocarbures bien sûr, mais aussi la production d'énergie solaire, éolienne, etc. Et puis effectivement, la deuxième stratégie, c'est d'accompagner de plus en plus la transformation de la compagnie vers justement toutes les nouvelles énergies pour nous, donc l'électricité, le renouvelable, le biogaz, tout ça, c'est beaucoup de données et il y a d'énormes gains d'efficacité en exploitant toujours mieux et toujours plus la donnée. Parfait, merci beaucoup Monsieur Lutz. À très bientôt sur République-IT.